Ladies, a new store has opened up in New York City. And it is the husband store. And if you want a husband, you can go there and shop for one. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais déjà mes petits j'aime, ça fait toujours plaisir hein, quand même, minimum les gars, quand même. Hein, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action. Créer ta vue sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Donc avant de créer l'arnaque, regarde quand même. C'est un peu l'idée. Et deuxième chose, Pirate Marketing, c'est ma formation où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Ok, tu peux y accéder via ton CPF si jamais tu le veux. En plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce et tout ça, c'est fait par des experts, c'est pas que par moi. E-commerce, investisseur dans l'immobilier, quoi d'autre, investisseur dans la crypto-monnaie, investisseur dans les startups, personal branding. En plus, tu as accès à l'incubateur, tu as accès à un bootcamp. Donc, les gars, tu veux en savoir plus, si tu cliques sur le lien qui est dans la description, il y a une possibilité de prendre un rendez-vous offert, gratuit, complètement gratuit, les gars, avec un membre de mon équipe. Tu pourras poser toutes tes questions. Si jamais tu visites ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, on va t'accompagner à le faire et apprendra les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Voilà, c'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement, les gars. C'est comme ça. C'est pour rien, c'est la vie, c'est. Ça va rien de chialer. Si tu fais rien, en tout cas, il va rien se passer. Et bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, pourquoi les femmes sont. La plupart des femmes sont célibataires et ça va aller de pire en pire. J'ai trouvé une vidéo. Une vidéo, elle a l'air de dater. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, ça s'amplifie, c'est de pire en pire la situation du marché du célibat actuellement. Mais en vérité, depuis, en fait, ça avait déjà commencé. Puisqu'il y avait déjà des gens qui en parlaient. Ok, donc je te laisse regarder cette vidéo et on en reparle après. Ladies, a new store has opened up in New York City. And it is the husband store. And if you want a husband, you can go there and shop for one. Now, there are some guidelines to shopping at this store. There are 6 floors in the store. Once you visit a floor and leave that floor and go to the next floor, you can't go back down. So there's none of this like looking at all the merchandise and then deciding what you want. So a woman went to the husband store, and on the first floor, the sign read, "These men have jobs." She thought, wow, a man with a job. That would be really good. She thought about it, but she thought, well, I have to see what's on the second floor. So she went to the second floor. These men have jobs and they love kids. She thought, wow, this is getting sweeter by the minute. But she had to see what was on the third floor. These men have jobs, love kids, and are extremely good looking. Well, I don't know, maybe I just better find somebody on this floor because that sounds good. But still, she felt compelled to keep looking. She went to the fourth floor where the sign read, "These men have jobs, love kids, and are drop-dead good-looking, and they help with the housework." Come on, ladies, now. I mean, I tell you, I've been married to my guy 50 years. 50. And he does dishes. He does laundry. He gets the bed ready at night, and he plays all the golf he wants to. She thought, wow, jobs, loves kids, good looking, helps with the housework. Oh, mercy me, she thought, I can hardly stand it. And yet she had to go see what was on the fifth floor. These men have jobs, love kids, are drop dead gorgeous. Excuse me, I'm having a little voice issue here. And they have a strong romantic streak. Come on, housework and romance. But she thought, well, it keeps getting better, so I just have to find out what is on the top floor. The top floor, the sign read, "You are visitor 31,456,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please."
However, to avoid gender bias, the owner thought he best put a new wives' store across the street. So once again, there were six floors, and same rules, you can only visit one floor one time. Floor number one, man went in. This floor has wives that love sex. Floor number two. This floor has wives that love sex and they have money. Floors three through six have never been visited. Donc là, je pense qu'on peut, j'ai envie de te dire, là, il n'y a rien à ajouter. Ça a été super clair. Okay, la désillusion des femmes qui veulent toujours penser qu'elles peuvent avoir plus ou mieux, etc. est super bien exprimée à travers cette boutique pour hommes, boutique pour époux. Bon, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais en tout cas, c'est ça. Boutique pour époux, pour pouvoir faire ses achats et trouver un mari. Juste peut-être ce que je rajouterais pour pouvoir tuner un petit peu son histoire, c'est que je dirais que quand tu arrives au sixième étage, alors déjà il n'y a pas d'homme, oui ça c'est sûr, mais c'est directement, il y a directement un espace temporel, un trou où tu traverses et tu arrives directement dans la street. Et là tu restes dans la street constamment. Alors ça a l'air d'être fun, ça a l'air d'être fun, c'est fun pendant toute ta vingtaine. T'es dans la street, oh, ça déchire, oh, c'est fun, oh là là, ça va en soirée, oh, on va sur les yachts, on va à Dubaï, oh là là, ça déchire. Et puis quand t'arrives à 30 ans, tu dis, c'est vrai que c'est moins fun là. Non, là, j'en ai marre là. Là, ça, c'est là que tu croises des filles qui disent, là, ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Oui, enfin, pourquoi? Enfin, fallait penser avant ça, non? Qu'est-ce que tu veux en fait, tu vois? Souvent, les meufs, quand elles arrivent à 30 ans, c'est là qu'elles commencent à dire, ouais, de toute façon, moi, je veux pas d'enfant. Ou sinon, de toute façon, moi, je ferai un enfant tout seul. Bon, ça, c'est quand elles arrivent à 35. De toute façon, moi, je m'en fiche, je ferai un enfant toute seule. Ah, la vie, mon gars. Et après, quand elle parle des hommes, bon, super marrant quand même. Je trouve que ça a été très bien exprimé. Bon, après, évidemment, je pense que tous les gars s'arrêtent au premier étage. Hein. Ça, là-dessus, je pense que les gars, on est d'accord. Hein. Ça arrête directement au premier étage. Après, le deuxième étage, ouais, bon, elle a rajouté femme avec de l'argent. Bon, généralement, un homme, on ne cherche pas une femme qui a de l'argent. Hein. On ne cherche pas la sécurité chez une femme. Hein. Par contre, c'est sûr qu'on ne veut pas une meuf qui ne fait rien dans sa vie, quoi. On veut quand même une femme qui a de l'argent. Si jamais tu es un gars de la moyenne, ça veut dire que tu as un salaire moyen. Bon, bah, tu veux une femme quand même qui a un travail pour pouvoir tout simplement financer le lifestyle. Tu vois, parce qu'avoir un seul salaire aujourd'hui, c'est compliqué. Et si jamais tu gagnes bien ta vie, tu veux qu'elle ait un travail ou qu'elle ait une occupation pour pas qu'elle soit là juste là et qu'elle fasse rien. Même si elle n'a pas de travail, mais qu'elle ait une passion, qu'elle ait un truc, sinon elle va te casser la tête. Si jamais elle est juste là, elle fait rien de sa life, elle sait pas quoi faire. Voilà, bon, elle s'occupe des enfants, mais bon, il faut qu'elle ait quand même un truc dans sa vie, une occupation, une passion, quelque chose, tu vois. Mais bon, en général, je vais te dire, toutes les femmes, elles ont un travail. À part les femmes qui sont très belles, elles concrètement, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un travail. Mais de toute façon, elles vont toujours trouver un homme qui a suffisamment d'argent pour pouvoir s'occuper d'elle. Puisqu'elle est belle, elle a accès forcément aux gars qui ont le statut le plus élevé. Donc, je ferai aussi un petit tuning où là, carrément, je changerai le level 2, là, enfin, l'étage 2 pour hommes. Je dirais plutôt que c'est genre aime le sexe et en plus qui est féminine et ouais, voilà, c'est ça. Hein, qui est féminine, qui s'occupe de son gars, voilà, de différentes façons. Donc après, tu me diras, normalement, vu que c'est un magasin pour épouse, elle a déjà ces qualités-là. J'espère que je ne choque personne. Mais normalement, une épouse, de base, c'est ça. Elle est censée être féminine, elle est censée vouloir s'occuper de son gars, de vouloir l'aider, d'être à ses côtés, de ne pas être une boss babe, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais même le premier étage, les filles, même si un gars... Même si la fille elle est masculine, elle est sociée, cela, si elle, jamais, elle aime le sexe déjà, la plupart des gars s'arrêtent à l'étage 1. Même si elle ne fait pas à manger, même pas, ils s'arrêtent à l'étage 1. Tu vois? Après, évidemment, si jamais tu veux un gars, là je parle aux filles, si jamais tu veux un gars qui a plus d'options, ça veut dire du coup tu es en compétition. Donc du coup, lui, il peut se permettre de dire, moi je vais aller au level 2, enfin à l'étage 2. Et ça me rappelle le parfait exemple. Je lisais ça ce matin, en plus, je lis le livre de 10X de Grant Cardone, là. Et à un moment donné, en fait, il y a un passage où il a une idée, il veut faire un show
et il voudrait que ça passe à la télé. Et le concept, ce serait qu'il va dans toutes les entreprises qui sont aux États-Unis, par exemple, et il augmente leur chiffre d'affaires grâce à la vente. Parce qu'à la base, c'est un vendeur. Okay? Et il en parle à sa femme, alors qu'il est déjà successful à ce moment-là, il est déjà bien. Hein? Et il en parle à sa femme de ce concept et a dit, franchement, le concept, il tue, tu vas déchirer, tu vas tout cartonner. Et elle lui a dit, comment je peux t'aider? Bon, ben ça, moi, c'est tellement rare d'entendre un truc comme ça que j'ai été choqué, en fait. C'est une phrase, elle m'a choqué. J'ai dit, ah, ça existe encore, les femmes qui savent c'est ça, une femme féminine. Okay, c'est pas juste faire à manger, c'est ça, une femme féminine. C'est chercher à savoir comment je peux aider mon mari, qui est un leader, à construire l'empire qu'il veut construire. Après, s'il dit, ouais, mais mon gars, il veut pas construire d'empire. Bon, ben, ça, c'est une femme. Chacun ses problèmes, hein, mais de base, c'est ça. Dans son petit truc qu'il fait, il a forcément besoin d'aide, de se sentir soutenu, encouragé, voilà, c'est ça, tu vois. Sinon, à quoi ça sert d'être une épouse, on va dire. Et après, c'est pareil pour le mari. Hein. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Tu as le secret de la nature féminine, comme tu le sais aujourd'hui. Si jamais tu ne connais pas la nature féminine, tu es cuit. C'est sûr et certain. Et puis c'est tout. Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.